plus. Hansel, Hansel, réveille-toi. Allez. Je faisais un rêve si magnifique. C'était quoi ton rêve? Nous vivions dans un splendide château, toi et moi, et on avait chacun un joli cheval gris pommelé. Quoi d'autre? Eh bien, on n'avait plus à faire de corvée. Plus du tout. On était un prince et une princesse des vrais. Et tu sais, personne ne nous disait ce qu'on devait faire. Personne? Non, personne. Je l'adore, ce rêve. Hansel! Gretel! On arrive, maman! Oui. Mais j'ai encore très faim. C'est pour le déjeuner, les enfants. On déjeunera pas plus tard. On veut manger maintenant. Ne sois pas insolente, Gretel. D'abord, trop manger le matin, c'est mauvais pour le sang. Tout était parfait, Maria. N'est-ce pas, les enfants? Oui. Oh, oui. C'était parfait pour une toute petite souris, pas pour un homme et sa famille. On va préparer la carriole pour aller au village aujourd'hui. Oui, papa. Oui, papa. Stéphane, ils n'ont pas fini le travail que je leur ai donné à faire. Ils feront tout ça demain. Je leur ai promis de les emmener avec moi. Demain, toujours demain. On remet sans cesse des choses au lendemain. Est-ce que demain, on aura quelque chose à manger? Oh, Stéphane, qu'est-ce qu'on va devenir? On mourra de faim, nous et les enfants. On pourrait déjà commander les planches de nos cercueils. T'inquiète pas. Je suis sûr qu'on va vendre tout le bois que j'emporte au village. Aie confiance. Dieu ne nous abandonnera pas. Toi, sois bien sage. Hansel, ne perds pas ton chapeau. Stéphane, ne laisse pas le boulanger t'estamper. Impossible. Duncan, en avant. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, papa, tu nous en poses encore une? Oh oui, une autre devinette. Entendu. Attendez, je cherche. Oui, en voilà une autre. Qui est-ce qui a des bras et des pieds, mais n'a pas de tête? C'est une mouche? Non. Je sais, je sais. C'est une tortue. Petite sotte, une tortue, ça a une tête. Et une mouche aussi, Hansel. Oh, dis-nous vite, papa. Qu'est-ce qui a des bras et des pieds et n'a pas de tête? Un fauteuil. Elle était dure, celle-là, papa. À mon tour d'en poser une. Quelles sont les deux choses que tu n'as jamais au petit déjeuner? Le déjeuner et le dîner. Allez, les canards. Allez, sortez vite de là. Tenez, voilà. Merci. Approchez, approchez. Venez voir mes fromages. Venez acheter mes œufs. Ça va aller. Venez, venez, venez. Merci. Mon verre, il est tout frais. Venez chercher mes plaies. Approchez. Venez faire aiguiser vos couteaux et vos ciseaux. Approchez, approchez. Oui, je vous en ai fait, merci. Elles sont pas chères, mes pommes de terre. Vous avez fumé vos lapins, venez voir mes lapins. Hé, bûcheron,
Je vous remercie. Oh, merci, monsieur. Papa, regarde, le maréchal Ferrand, il m'a donné ces drôles de cailloux. Qu'est-ce que c'est? Du silex, mon garçon. En les frottant l'un contre l'autre, tu as des étincelles et tu fais du feu. C'est un très joli cadeau. Garde-les toujours avec toi et tu n'auras jamais froid. Allez voir mes poulets, venez. Les enfants, vous allez rester assis tranquillement pendant que je finis mon travail. Voilà les dernières bûches, monsieur. Ne touchez et ne mangez rien. Ou alors votre père paiera pour votre curiosité. C'est la même chose pour toi. Monsieur, la réserve de bois est pleine. Argent, bûcheron. Mais, monsieur, ce n'est pas ce qui était convenu. Je n'ai rien convenu avec vous. J'aurais pu couper tout ce bois pour mon four. J'ai pas le temps. Alors vous récoltez les bénéfices. La dernière fois que j'ai apporté le bois, vous m'avez donné si peu que vous m'avez promis de me payer honnêtement cette fois. Je crois que vous faites erreur, bûcheron. Je ne me rappelle pas vous avoir dit ça. Petite fille. C'est pour toi. Et voilà de délicieuses friandises. Qu'est-ce que tu dis, Grévin? Je vous remercie beaucoup, monsieur le boulanger. Il n'y a pas de quoi, petite. Venez, les enfants. Regardez, achetez-les-moi. Des rubans jaunes et rouges, achetez mes beaux rubans. Un ruban dans les cheveux éclaire toujours le regard. Mais quels cheveux superbes à cet enfant. Comme elle serait jolie avec un ou deux rubans. Comment trouvez-vous celui-là? Prenez un ruban de satin bleu pour attacher ses cheveux. Non, merci. Et les enfants, si vous alliez là-bas voir le spectacle de Guignol. Venez voir mon miel. Un petit bouquet de fleurs. Ah, les enfants, un miel tout doré et sucré fait par mes abeilles. Désolé. Il n'y en a pas de meilleur sur le marché. Vous préférez les roses ou les œillets? Les deux me plaisent. Alors, monsieur, je vous prépare ce bouquet pour votre femme. I would like to dance with him.
garçon. Comment est-ce que tu t'appelles? Hansel. Mon Dieu, est-ce que ça te plairait de danser et de chanter? Place your hands. Point your toe. Tap, tap, tap. Sans jamais d'avis, on peut trouver que c'est étrange. La raison est simple, mes amis. Il n'a pas de cervelle de rechange. Allez, viens. On va chanter notre chanson. Point your toe and tap tap tap. Left and right, left and right. Allez, venez. Venez chanter avec nous. Raise your hands and tap, tap, tap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and then. Round about and back again. Raise your hands and tap, tap, tap. Point your toe and tap, tap, tap. C'est vrai? Oui, les marionnettes nous ont appris à danser. Guignol était amusant et il se tapait dessus tout le temps avec un relais à pâtisserie. Et le maréchal Ferrand, il m'a donné deux cailloux qui font du feu. Tu veux que je te chante la chanson qu'on a apprise? Raise your hands and clap, non, clap, clap. Non, pas maintenant, Greta. Regarde, ils sont beaux, ces cailloux. Et papa, il va m'apprendre à m'en servir. Fais rentrer ta sœur. Allez. Allez, vite. Ça n'a pas le goût de la soupe. Ça a le goût de l'eau de vaisselle. Comment tu peux savoir quel goût a l'eau de vaisselle, Hansel? Ah, j'y ai goûté une fois. C'est vrai, je l'ai fait. Comment osez-vous vous moquer de ce plat? Je mangerai seule la dernière pomme de terre une autre fois. Les enfants, allez dormir. Oui, montez, vous couchez. Et si vous avez de la chance, ne vous réveillez plus jamais. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Comment as-tu pu laisser ce gros boulanger te duper encore? Est-ce que tu n'es qu'un simple nigaud? Je suis un simple bûcheron. J'ai honte de toi, Stéphane. N'as-tu donc pas le courage d'affronter cet homme qui prive de nourriture tes enfants et ta femme?
parce qu'il ne paie pas ce qui t'est légalement dû. C'est un homme important dans la ville. Je m'en fiche, et même s'il était le roi. J'irai au village, et moi, je vais aller parler à ce boulanger. Entendu. Ça suffit comme ça. J'irai le voir demain. Et je te rapporterai le reste de l'argent qu'il me doit. Bonjour, madame. Bonjour à vous, voisin. J'ai apporté quelque chose pour vous. Toutes mes vaches produisent plus de lait qu'on peut en boire. On a même trop de fromage. J'ai apporté aussi quelques œufs. Oh, je n'ai pas d'argent pour acheter tout ça. Oh, pas besoin. Votre cher époux m'a rendu souvent bien des services. Tenez, juste l'hiver passé, quand j'étais malade, que je ne pouvais plus me lever. Il a apporté du bois pour que ma famille puisse chauffer notre maison. Ah, c'est un brave voisin. C'est un brave homme. Oui, mon époux se soucie de tout le monde. Mais c'est très gentil à vous et à votre famille. C'est lourd. Je vais le porter. Merci. Est-ce que vous savez, hier, quand j'ai été livrer le lait chez le meunier, il m'a raconté qu'un autre enfant avait disparu dans ces maudits bois du Nord. Ils ont cherché le garçon pendant tout le jour, mais ils n'ont rien trouvé. C'est terrible. Vous savez, à mon avis, personne ne pourra jamais le retrouver, madame. Regardez les enfants, du lait frais et des œufs. Oh, oh, merci. Dites merci, les enfants. Merci, merci. Bonne journée. Mmh. Oh, cette crème est délicieuse. Mmh. Mmh. Je vais faire un gros flan. Je veux plus attendre. Ce plan sera parfait avec quelques baies. Je vais aller voir si je réussis à en trouver dans le bois d'à côté. On va faire une vraie fête quand votre père reviendra du village ce soir. Oh, je suis sûre. Oh, dis-moi, Gretel, pendant que je suis sortie, tu veux faire le reprisage? Oui, maman. Toi, Hansel, fais attention que les brins soient très serrés, sinon le balai ne durerait pas. Et puis, Hansel, n'oublie pas de donner un peu d'eau à l'âne. Je n'oublierai pas. M'accordez-vous cette danse, mademoiselle? Oui, bon monsieur. Gretel, dear, I don't know how,
when to turn and how to bow. Show me what I ought to do so that I may dance with you. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and then. Round about and back again. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and then. Round about and back again. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Sortir d'ici. Viens ici, Duncan. Je t'en prie, viens. Oh, oh Duncan, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Que fait l'âne dans la maison? C'est le flanc. Il est entré dans la maison et on l'a pas vu. Vous avez laissé cet animal manger tout mon joli flanc et boire tout notre lait. Hansel, fais sortir l'âne d'ici. Tout de suite, tu entends? Fais sortir cet animal. Oh, viens vite, Duncan. Viens, Duncan. Tu veux que je le fasse moi-même? Tu n'es qu'un petit idiot. Allez, viens dehors, suis-moi, j'en ai assez. Tu vas sortir de ma cuisine. Allez, tu vas sortir d'ici. Dehors. Et vite. Vous n'êtes que de stupides petits vauriens. On est désolé. C'est vrai, je t'assure. Allez chercher des baies pour dîner ce soir. Et assez pour nous tous. Ou alors ne rentrez pas. Fichez le camp d'ici. Et ne revenez pas avec votre panier vide, c'est clair. Ou alors, vous Maman. Verrez. Allez-vous-en. Laissez-moi toute seule. Aucune baie sur toutes ces branches. On a déjà tout ramassé. Personne ne va jamais de ce côté. Mais papa a dit de jamais entrer dans ces bois. Et il n'y a pas un seul chemin. On risque de se perdre. Est-ce que tu as toujours les bonbons que le boulanger t'avait donnés? Oui. Mais ils sont pas très bons. Ça va. Il y en a juste assez. On va les poser sur notre chemin. On n'aura qu'à les suivre en revenant sur nos pas. Et on sera pas perdu. Mais papa a dit que... Ça suffit, ne fais pas le bébé. Allez, viens.
énorme et bien mûr. Et sucré. Oh, maman va être contente. Fâchée contre nous avec toutes les baies qu'on a ramassées. Je n'avais jamais fait une aussi jolie cueillette. Alors, princesse, si on retournait à notre château, tout ce qu'il faut faire, c'est suivre la trace qu'on a laissée. Notre royale trace de bon goût. Voilà le premier. Et encore un autre. J'en vois un. Oh, regarde, en voilà encore. Et un autre. Encore un autre. Perdu. Oh non, ne dis pas ça. On va retrouver notre chemin. Je sais qu'on peut. Allez, viens. Oh, what a day, oh, what a day, oh, what a happy man am I. Oh, what a bird, oh, what a breeze, oh, what a joy to see the sky. How did I know how to be strong? Where did I find the voice to say, no, not enough, no, not at all, no, not again, no, not today. And this is how it should be, this is how it is. A man gets what he wants if he takes what is his. Oh,
what a man, oh, what a man, oh, what a noble man am I. Oh, what a tree, oh, what a leaf, oh, what a fence, what a cottage, what a flower, what a life. Maria, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de dormir. Ton époux est à la maison. Il est revenu du village. Tu veux voir ce qu'il a rapporté. Tu n'es pas heureuse de me voir rentrer. Rentrer chez nous. Pourquoi? Il n'y a que tes ennuis. Il faut que je garde la maison, que je nourrisse les enfants. Avec quoi? Il n'y a rien du tout. Eh bien alors, veux-tu regarder ce qu'on mangera aujourd'hui? Oh, Stéphane, je ne suis pas d'humeur à écouter tes plaisanteries. Je suis fatiguée de vivre. Le buffet est vide. Nous n'avons plus rien. Est-ce qu'un gros pot de miel te redonnerait goût à la vie? Est-ce que cette belle farine serait la bienvenue dans ta cuisine? Et que dirais-tu d'un peu de beurre? D'où est-ce que tu ramènes tout ça? J'ai demandé mon argent au boulanger. Il a payé jusqu'au dernier sou qu'il devait. Oh, Stéphane! Oh, ça a dû être difficile. Il ne t'a pas fait d'ennui? Aussi. Il a voulu me chercher des tas de prétextes, mais je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il ait versé la totalité de ce qu'il me devait. Oh. Ça a dû te coûter une fortune. Où sont les enfants? Ah, ces deux petits vauriens. Tu sais ce qu'ils ont fait? Je les ai laissés seuls et pendant que j'étais sortie, ils ont laissé l'âne entrer ici. Et l'âne a avalé le plat entier du flan que j'avais fait et brisé un pot de lait que notre voisin nous avait donné ce matin même. Oh, quand je les ai vus qui s'amusaient avec l'âne dans la cuisine, j'étais si furieuse contre eux que je les ai envoyés ramasser des baies. Il n'y a guère de baies sur les buissons près de la maison. On a déjà tout mangé. Oui, je sais. Moi, j'en ai pas trouvé. Mais j'étais si furieuse. Il devrait être rentré. Tu ne penses pas qu'il soit allé dans les... Dans les bois du Nord? Non, non, il n'aurait jamais été là. Je leur ai dit une centaine de fois que c'était interdit. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Seigneur, aide-nous, mes enfants! Maria! Noir, on ne pourra jamais les trouver cette nuit. Oh, pauvre Hansel et Greta. Mes chers petits. Oh, si quelque chose leur arrive, je ne pourrai jamais me le pardonner. Ne te reproche rien, tu étais bouleversée. Oh, c'est une forêt maléfique. Plusieurs enfants ont disparu ici. Il n'y a pas de sentier, c'est facile de s'égarer. Une vieille femme m'a raconté que dans les profondeurs des bois du Nord vit une sorcière et des démons aussi. Superstition. Cette nuit, on va prier pour leur salut. Demain, je partirai tôt et je les trouverai. Rentrons maintenant. Allez, ma petite étincelle. Essaie de faire une flamme. Embrasse ces brindilles. Ah, je crois qu'on a réussi. On va avoir un joli feu.
J'ai rêvé que des anges venaient nous protéger. De très beaux anges. Un garçon et une fille. Peut-être que c'était pas un rêve. On est toujours en vie. Maman et papa doivent être très inquiets. Il faut rentrer à la maison. Seule, j'ai très faim. Je voudrais trouver encore de ces baies. Je t'en prie, laisse-moi venir avec toi. Non, s'il revenait, il vaut mieux que tu sois là.
d'être fait en gâteau et en sucrerie. On ne sait pas qui habite ici. Bah, je vois personne. Tu n'avais pas faim? C'est bon. Chérie, vous devez être affamée. Oh, alors, vous êtes tombée dans la bonne maison. Tout ce qui est ici est bon à manger. Oh, oh, je m'appelle Griselda. T'as vu? Entre ici, cher petit. Oh, quel est ton nom, ma chérie? Gretel, madame. Et voici mon frère, Hansel. Oh... Gretel et Hansel. Oh, oh, oh. Votre maison est magnifique. Oui, merci. Est-ce que vous êtes confiseur? Oh, mais oui. Et pâtissière aussi. Sugar and spice and everything nice. That's what my house is made of. Gingerbread girls with strawberry curls. That's what my house is made of. So please come inside. I'll help you decide. I'm full of delicious surprises and delicious disguises. I love to cook and serve you little dears, so tender but slender and hungry it appears. Apricot custard and lemon meringue, raspberry strawberry tort, butterscotch pudding and apple souffle, marzipan hazelnut mocha parfait. And if you want more, try the gingerbread door. My dears, my pie, my apple raisin tart, my cake, my best, I cross my chocolate heart. My house is yours, you're welcome and you're sweet. So tender, so slender, you need some more to eat. Tender, but slender, you need some more to eat. Some more to eat, some more to eat, some more to eat. To add some more meat. Aussitôt qu'il eut posé ses lèvres sur les siennes, la princesse Aurore ouvrit les yeux, s'éveilla et sourit tendrement. Oh, oh, oh. Gretel, tu es aussi douce que le sont mes bonbons. Où j'en étais, moi?
Ensemble, ils descendirent les escaliers et ensuite le roi et la reine et la cour tout entière s'éveillèrent et tous alors se regardèrent avec stupéfaction. Oh, oh pauvre cher Hansel, je te trouve plutôt maigre. Tiens, veux-tu un autre beignet? Pas pour le moment, merci. Mais quelle parfaite manière tu as! Alors entendu, je vais poser le plat ici et vous en mangerez autant que vous voudrez. Je les ai faits spécialement pour vous, les enfants. Oh, je suis si heureuse que vous restiez ici pour dormir cette nuit. Et tous alors se regardèrent avec stupéfaction. Et alors les chevaux se mirent debout, secouèrent leurs crinières, les flamants roses étirèrent leurs ailes, et le feu dans la cuisine s'embrasa pour faire rôtir les enfants. Je veux dire, les faisans. Pour faire rôtir les faisans. Êtes-vous installé confortablement ou voulez-vous encore quelques coussins? Non, merci. Finissez l'histoire, s'il vous plaît. Oh oui, s'il vous plaît. Oui. Dans la cuisine, les poulets rôtissent à nouveau. Les sauces mijotent dans les cocottes, comme avant. Et... le prince et la princesse Aurore firent un mariage splendide et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur courte vie. De leur longue vie, oui. Oh. Oh, c'était une jolie histoire. Oui. Oui. Oh. 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 Griselda, qu'est-ce que vous portez autour de votre cou? Oh, c'est mon lorgnon, chérie. Ça me permet de voir les choses plus nettement. Quand je ne m'en sers pas, je n'y vois pratiquement rien. Ça vous arrivera quand vous serez vieux comme moi. Mais mon nez, ça, c'est une autre histoire. Je possède un odorat très développé. Il me sert quand je fabrique mes friandises. Est-ce que je peux regarder à travers? Oh non, chérie, c'est fragile. Et grand-mère Griselda ne veut pas qu'on risque de l'égarer. Eh bien, bonne nuit, mes jolis canards, dormez bien. Et ne laissez pas les punaises vous dévorer. Est-ce qu'on aura de la confiture et des crêpes pour déjeuner demain matin, grand-mère Griselda? Bien sûr, mes petits cœurs, vous aurez toutes les choses qui peuvent vous faire envie. Oh, vous aurez des tas de crêpes et de gâteaux et trois sortes de confitures. Et Gretel, je vais te faire un merveilleux petit déjeuner. Et tu veux, Gretel? Oh oui, Griselda. Oh merci. Et dormez bien. Tu es une bonne pâte. Oui, tu es une bonne pâte. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Hansel, tu as dit à Griselda grand-mère. Mais elle n'est pas notre grand-mère, tu le sais. Nos grands-parents sont au ciel. Alors elle peut devenir notre grand-mère. Oh. Comme ce lit est confortable. Il est doux comme un nuage. J'aimerais qu'on vive ici tout le temps. Tu as pensé à papa et à maman? Tu voudrais pas qu'on habite ici? On se régalerait avec la cuisine de Griselda. Et elle nous lirait une histoire tous les soirs. C'est la plus magnifique maison du monde entier. Crème à la vanille sur mes gâteaux. Oh, Hansel.
soir, quand sonne l'heure de minuit et que personne ne peut entendre, je viens de réciter mes litanies de sorcière avec une joie maléfique. 1, 2, 3, la sorcière c'est moi. 4, 5, 6, reine du maléfice. 7, 8, 9, je tuerai dans l'œuf. 10, 11, 12, ces deux vies si douces, ces enfants m'appartiendront. Alors rêvez bien, petits agneaux. Bientôt vous allez dormir de votre long et dernier sommeil. Et ensuite, vous ferez partie de ma barrière de pain d'épices. Oh, que je me régalerai de cette jeune chair fraîche, si appétissante. Je sais que tu es là. Je t'ai senti, ma jolie. Hansel, Hansel, réveille-toi. Hansel. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est une sorcière, c'est une sorcière. Hocus pocus, la sorcière te parle. Chanvre, enroule-toi sur son corps. Vite. Il est ma proie et elle est mon esclave. Hocus pocus, malus, locus, rocus, volus, hocus pocus. Toi, tu vas manger le jour et tu vas manger la nuit. Et dans une semaine, tu seras un peu d'épices, compris? Thank you.
petite, ça ne va pas assez vite pour le rythme de la grande Griselda. Et ensuite, du lait de tasse et demie, ajoutez la crème séparément, saupoudrez de farine. Oh, tu es un petit vénard, Hansel. Je vais te faire un gâteau à la crème de citron. Je n'accepterai rien, plus jamais rien. Laissez-moi sortir d'ici. Sirop d'érable, sirop de myrtille, pain au raisin, oh, gingembre, sucre cristallisé et poire juteuse. Hansel, au gingembre et à la poire. Oh, je n'ai encore jamais fait cette sorte de tarte. Oh, et si tu prenais de mon délicieux pudding à la marmelade de Mirabelle? Je n'avalerai plus rien de ce que vous faites, sorcière. Tu avaleras ce que je te donnerai quand je te le dirai. Le seul moment où ta sœur arrêtera de faire ses corvées, c'est quand tu mangeras. C'est compris? Je vais t'engraisser comme un vrai porc. Gretel, où est ce plat à tarte? Tu veux te dépêcher? Encore tout ce tas de pommes à éplucher. Dans ce train-là, tu n'auras jamais fini. Allez plus vite. Eh bien, tu n'es pas fatigué de mes délicieuses tartes et de mes gâteaux, mon cher Hansel. Donne-moi ton doigt. Oh. Oh mon Dieu, tu as encore besoin de grossir un peu avant que je te mette à cuire dans mon grand four. Mange trop lentement, mon petit homme. Allez, dépêche-toi de finir. Ta sœur a encore des tas de corvées à faire pour moi. Fais-moi voir encore ton doigt. Oh oui, vous serrez trop fort. Oh, comment ça? Ce n'est pas encore suffisant, mais tu vas grossir, oui. Et tu vas être bientôt à point pour que je te mange. Aïe. Oh. Je me sens un peu fatiguée. Cette journée a été dure. Avant d'aller dormir, je voudrais que tu manges mes succulents choux à la crème. Je mangerai rien de plus. Oh. Vous ne me forcerez pas. Tu mangeras tout ce que je te donnerai. Ou je mangerai ta petite sœur. Oh, elle n'est pas très potelée, mais elle peut me mettre en appétit. Oui, je vais la faire cuire très vite, et ensuite, je
vais la manger devant tes yeux. Je vais manger, je vais manger. Ne la touchez pas. Févie. Eh bien, je n'aurai plus jamais de soucis avec toi. Tu mangeras tout ce que Griselda te servira. Oh, surprise! Oh, voilà quelque chose de différent pour te faire plaisir. Un joli poulet dodu pour mon cher Hansel, voilà. Et dévore-le très vite, chérie, parce que je suis impatiente de te voir devenir un petit garçon bien en chair. Sortir d'ici. Non, Hansel, je réussirai pas. Écoute, on doit être courageux. Tu dois lui voler son lorgnon. Comment? Elle l'a toujours autour de son cou. Fais doucement. Vas-y, c'est maintenant ou jamais. Je peux rien avaler de plus ou je vais éclater. Je peux pas travailler plus ou je vais m'évanouir. Oh, comme il me manque maman et papa. À moi aussi. Et dire que j'ai appelé cette sorcière grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais enlever les quelques miettes sur votre robe. C'est presque le matin. Tu as l'air bien réveillée et déjà prête pour tes corvées. Tu peux commencer. Il me faut beaucoup de noix. Tu vas les casser, les émonder, les piler, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Aujourd'hui, on va faire une avalanche de pain d'épices. Jamais en faisant de cette façon. Il faut te servir des ustensiles adéquats. Tu prends une noix bien pleine, ensuite tu pilonnes la coquille comme ça. Et hein,
et deux, et un, et deux, un, et deux, un, et deux, et un. Mais qu'est-ce que vous écrasez? Il n'y a rien du tout. Je te fais une démonstration, espèce de petite sotte. Tu dois te servir du maillet et frapper d'un coup sec de cette façon. Oh. Un, et deux, et un, et deux, et un. Oh. Oh. Petite idiote. Oh, regarde ce que tu m'as fait. Oh. 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 J'ai brisé mon précieux lorgnon. Oh. 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 Bien. Il va falloir travailler davantage. Va chercher deux seaux, puis je dois remplir mon chaudron. Aide-nous, on est prisonniers. Mais comment êtes-vous entrée là? Gretel, est-ce que ça arrive, sait-on? La sorcière, c'est elle qui nous a mis là. Fais attention. Gretel, rentre ici tout de suite. Gretel, pourquoi tu as été si longue? Remplis le chaudron et presse-toi un peu. Oui. Oh, oui, oui, cher Hansel. Donne-moi ton doigt, petit Hansel, que je puisse constater si tu as suffisamment grossi pour passer au four. Oh, j'ai plus de lorgnon. Oh, tu n'es pas très grassouillé. Tu n'as que les os sur la peau. Enfin, je veux dire, la peau sur les os. Il n'y a pas de quoi faire un repas convenable. Peut-être que si je les mange tous les deux, ça pourrait faire un joli plat pour moi. Gretel, aujourd'hui, c'est le jour de fabrication spéciale de pain d'épices. Les garçons et les filles de pain d'épices, dans la cour. C'est des enfants comme nous. Elle veut nous emprisonner dans des gâteaux de pain d'épices, nous aussi. Oh, la voilà qui rentre. Gretel, va jusqu'au four et ouvre la porte. Et ferme la porte quand je te le dirai. On va juste tester la pâte et confectionner un délicieux biscuit de canard. Quack. Quack, quack, quack. Oui.
voilà. Oh, quel joli petit canard. Oui, je te mangerai plus tard. Tu seras mon dessert. Il y a quelque chose qui cloche. Ce four fonctionne mal. La pâte est un peu croustillante. Eh bien, on va voir comment tu vas en ressortir, cher Hansel. Laissez-moi, espèce d'affreuse sorcière. Laissez-nous, on veut s'en aller. Laissez-moi, espèce d'affreuse sorcière. Quel langage! Mon nom est Griselda. Gretel, vite, viens ici! Hocus pocus, obéis à mes ordres. Ouvre cette cage et ensuite ne bouge pas. Melus Locus avance lentement vers moi, mon Hansel.
le sort est brisé. La sorcière est morte. Gretel, regarde le canard. On est libre. On ne sera plus jamais des gâteaux. Jamais. Allez, venez tout le monde. Il faut quitter cet endroit de cauchemar. Ouais. Maintenant, ils vont retourner chez leurs parents.